Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi 25 mars 2024, j'espère que vous êtes d'attaque. Tout à l'heure je commencerai à poster des tirages bonus pour la fin du mois de mars. On commencera donc avec les béliers. Il y aura les béliers, taureaux et gémeaux. 3 par jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà. Donc nous sommes lundi 25 mars 2024. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Sachant que c'est le mythologique oracle qui sort en premier. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce lundi 25 mars? On a l'hiérophante. On vous dit que vous êtes dans le bon chemin. On a une personne en tout cas qui est dans le bon chemin. Ça peut être dans un travail, dans une mission de vie. Ça peut être dans un engagement, dans un mariage, dans un contrat d'âme, pour s'engager envers une personne, une situation, un projet, ou dans une attitude face à un engagement déjà pris. On a quelqu'un qui est dans le bon chemin ici. Ça peut être l'autre, puisque c'est le mythologique oracle qui est peut-être pour l'énergie masculine. Ça peut être dans, effectivement, la partie professionnelle. Apparemment, il faut prendre ses cartes. On a la vérité. Ok. On vous dit qu'on a une personne qui est dans le bon chemin pour dire la vérité, ou pour l'entendre, ou pour l'apprendre, pour la découvrir. On a l'espoir. En tout cas, l'espoir fait vivre, de savoir la vérité, ou de pouvoir dire toutes les vérités à quelqu'un, aux autres. On vous parle de protection dans la situation sur la personne concernée. Il y en a l'union spirituelle, magnifique. On vous parle d'une protection aussi sur un couple existant ou destiné, sur une relation, une connexion, sur un lien d'âme, ou pour rencontrer la bonne personne, être en relation avec la bonne personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit donc aujourd'hui, donc c'est peut-être vous, vous êtes dans le bon chemin pour apprendre une vérité ou pour la dire à quelqu'un ou aux autres. Aujourd'hui, vous allez peut-être être confronté à la vérité. On a le doute, confusion, réflexion, recul nécessaire. Malgré qu'on va vous dire la vérité, que quelqu'un va vous dire la vérité, vous allez encore douter. Ou malgré le fait que vous puissiez dire la vérité à quelqu'un ou aux autres, la personne en face de vous en doute. Il y a une vérité dont vous pourriez douter, qu'elle soit vraie ou qu'elle puisse être énoncée. Dernière carte. On a le 5 d'eau. On vous parle d'une séparation, rupture, chagrin. Peut-être que vous avez encore des doutes. C'est peut-être vous, mais c'est peut-être l'autre. J'ai quand même que des personnages féminins, donc c'est peut-être vous qui regardez ce tirage féminin, féminine, homme ou femme. En général, c'est vous, l'énergie féminine. Malgré des doutes, la conclusion, c'est peut-être qu'il faut admettre une séparation avec quelqu'un, se séparer ou faire le deuil d'une relation déjà terminée, séparée, ou enclencher une séparation. Bon, il y a une certaine tristesse quand même. Vous allez peut-être être triste. Peut-être vous allez être triste parce que vous ne pouvez pas encore être sûr de la vérité ou sûr de pouvoir la dire. On a la tentation. C'est peut-être pas vrai aussi, hein. Parce que ça commence bien et après vous êtes triste. Alors peut-être que c'est les doutes qui vous rendent triste. Mais le diable, les peurs l'utilisent, ce doute. Pour vous garder triste dans une situation qui devrait se terminer, ou pour vous faire douter d'une situation dans laquelle il ne faut pas douter, et c'est le doute qui vous rend triste. On va tirer une carte pour les relations concrètes et les projets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui, pour ce lundi 25 mars 2024?
On a l'abondance. D'accord. Vous pourriez douter de votre abondance qui arrive ou qui est déjà en place. Alors, on peut vous parler d'abondance professionnelle, matérielle, financière, ou d'abondance au sens large, de bonheur en général, y compris en amour, ou de manière sociale, familiale, amicale. Vous allez vous poser des questions à ce sujet. Est-ce que vous pouvez vraiment être heureux dans tous les domaines? Ou est-ce que vous pouvez continuer de l'être dans un des domaines ou plusieurs dans lesquels vous l'êtes déjà? On a le choix. Eh bien, vous aurez le droit de croire, en fait, ce que vous voulez aujourd'hui. Donc, vous aurez le choix d'être triste ou pas, d'un doute qui subsiste, d'une rupture, d'une séparation, ça peut être aussi une démission, quitter une situation, un endroit, des personnes. Vous aurez le choix aussi de travailler votre abondance, votre bonheur. Bon, on va tirer une carte pour avec le mythologique oracle. Alors, ça peut être pour l'autre en face de vous, masculin, masculine au niveau amoureux, ou ça peut être dans le professionnel, ou ça peut être pour vous dans tous les cas. On a l'étau, elle est tombée à l'envers, d'accord. Alors l'étau, c'est la figure de la mère parfaite, c'est la mère des jumeaux Artémis et Apollon, qui représentent le soleil et la lune qu'on peut voir avec leur petite couronne de soleil et de lune. Et l'étau, c'est l'archétype de la mère parfaite. Déjà, on a des personnes, vous n'êtes plus la mère ou le père, le parent parfait. Vous ne voulez plus l'être, vous ne vous mettez plus la pression pour l'être, ou vous ne voulez plus être parent aussi, pourquoi pas. On a quelqu'un qui n'est plus le parent parfait, ou qui ne se met plus la pression pour être, ou qui ne veut plus être parent, et il y a une question d'être dans le bon chemin en réalité dans cette attitude. On a Gaïa. Alors Gaïa, c'est une autre sorte de mère, c'est la mère, la terre-mère. Gaïa, il n'y a pas plus ancré que la terre. On a une personne là, qui fait le choix non pas d'être parfait, mais d'être ancré. Non pas d'être la figure maternelle par excellence, maternelle, paternelle, qui prend soin dans la douceur, voilà, mais qui décide d'être plutôt stable, d'être plutôt sur qui on peut compter dans le concret. Et on a quelqu'un qui est dans le bon chemin en faisant comme ça, qui n'est plus genre paternaliste ou maternel excessif dans la sensibilité, mais plutôt qui est une figure sur qui on peut compter, qui fait une figure d'autorité naturelle, de stabilité. Donc c'est peut-être l'autre dans cette situation qui reste peut-être dans ses engagements, mais qui est comme ça, ou qui prend l'engagement désormais d'être comme ça. Mais ça peut être vous aussi. Et ça peut être dans le travail, d'ailleurs. Vous décidez de ne plus vous occuper des autres, mais d'être seulement un exemple de stabilité. On a la fée de l'espoir. Garde espoir, quoi qu'il arrive, je te protège dans cette situation. Encore l'étoile. Alors, pour vous, je pense, au niveau amoureux, ou pareil, on a quelqu'un ici qui doit garder l'espoir, garde espoir, et à qui l'on doit, et à qui l'on dit de garder l'espoir au niveau de la vérité. À qui l'on dit que la vérité sera sue un jour, ou que la vérité pourra être dite, ou pourra être entendue ou connue. Que ce soit la personne qui doit dire la vérité à je ne sais qui, ou que ce soit la personne qui doit apprendre la vraie vérité. On vous dit, si vous reconnaissez, que vous pouvez garder l'espoir que ça puisse arriver, que vous êtes protégé si vous voulez dire la vérité ou si vous voulez chercher à la connaître. Voilà, vous pouvez avoir l'espoir d'être protégé dans cette situation. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour ce lundi 25 mars 2024? On a l'hiérophante, on a quelqu'un qui est dans le bon chemin. Alors ça peut être dans un travail, une mission de vie, ça peut être dans une relation, dans un couple, dans un engagement, dans un mariage ou dans un contrat d'âme. On a quelqu'un qui dit la vérité ou qui veut l'apprendre, qui veut la savoir, mais il y a encore un doute sur est-ce que c'est possible de dire vraiment la vérité ou est-ce que c'est possible de la connaître.
Et finalement, la même personne ici pourrait finir triste aujourd'hui, parce qu'en fait, on doute de pouvoir dire la vérité, ou on doute que ce soit vraiment la vérité, parce qu'elle rend triste, mais c'est un choix. Ce sera un choix d'être en effet triste ou de se séparer ou pas. Voilà pour ce tirage de rester séparés. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.